Connaître et expérimenter glorieusement le prophétique du réveil. Connaître et expérimenter glorieusement le prophétique du réveil. Est-ce que vous êtes ici? Qui est ici? Qui est avec moi ce soir? Qui est ici? Esprit présent. Âme présente, corps présent. Je ne veux pas, nous ne voulons pas faire face à des corps présents, esprits ailleurs. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Communiquer un message. Le Seigneur nous a dit par la prédication d'hier que Dieu veut activer en vous un esprit prophétique. Un esprit prophétique qui est la manifestation des sept esprits de Dieu. Un esprit qui est une dispensation qui sera répandue sur chacun de vous, sur chacun de nous, et qui permettra au Saint-Esprit de nous faire vivre les expériences spirituelles et glorieuses en Jésus-Christ. Hier, nous avons compris qu'il est évident et important d'atteindre le degré du fruit de l'esprit sans lequel nous ne pouvons et nous ne pourrions expérimenter glorieusement les choses spirituelles avec Jésus-Christ. Hier, nous avions, avant de commencer, nous vous avions révélé un peu quelques définitions de certains fruits de l'esprit. Et nous avions dit que la prémisse du fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Et nous avons dit aussi que sagesse, la sagesse, c'est le Saint-Esprit. La sagesse, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et hier, nous avions parlé assez de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. L'amour est le fruit de l'esprit. Est la manifestation d'un homme qui a la crainte de Dieu. Et cet homme tire sa force de la dispensation du Saint-Esprit dans sa vie. Comme hier, vous avez compris que vous ne pourriez pas vivre les expériences spirituelles et glorieuses sans la dispensation de l'esprit. Parce que ce n'est pas vous-même qui activez ce mouvement spirituel. Ce n'est pas vous-même qui faites quelque chose, mais c'est le Seigneur lui-même. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Donc ce n'est ni par notre propre force, notre propre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons faire une chose. Notre capacité vient de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a communiqué ce message hier. Et le Seigneur nous a interpellé par le message spirituel qui est sorti aussi. Par la prédication, par la manifestation de l'esprit, qu'il est important dans la sainte doctrine de vivre l'amour réel, authentique. Il ne sert à rien de dire sainte doctrine, sans vivre la vie de la sainte doctrine. Il ne sert à rien de dire que je suis chrétien, je suis dans la sainte doctrine, et avoir un mauvais témoignage dans le monde. Il ne sait à rien.
Alléluia. Amen. Il ne sait à rien. Parce que l'esprit même, l'esprit prophétique, c'est le témoignage de Jésus. Si tu n'as pas le témoignage de Jésus, comment tu peux manifester, le fruit de l'esprit? Quand même, si tu n'as pas le fruit de l'esprit, le monde ne peut pas voir en toi le témoignage de Jésus. Donc, le fruit de l'esprit, c'est la vie de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est les éléments spirituels qui activent la vie de l'esprit. Alléluia. Hier, nous avons compris aussi qu'il est important que l'humilité est obligatoire. L'humilité est un tournant. Tu peux être en train de tourner en rond. Tu peux être en train de tourner. Et tu penseras dribbler le Seigneur et dépasser des étapes sans l'humilité. Si tu montes sans le Seigneur, si tu montes sans l'humilité, tu seras rabaissé. Tu seras descendu. Tu seras roni. Tu seras rabaissé, tu seras humilié. Humilié si tu veux monter sans l'humilité. Hier, nous avons compris qu'il faut être au genou. Pour monter spirituellement, il faut être acquis au genou. Les genoux, c'est la repentance. Le genou, c'est l'humilité. Le genou, c'est une nouvelle vie. Une prise de conscience. Une prise de conscience réelle. De renoncer aux hommes de la chair. Alléluia. Avant de commencer l'enseignement, allons-y lire le livre de Galates 5, verset 16 à 18. Vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Si vous n'avez pas le fruit de l'esprit, si vous n'avez pas le fruit de l'esprit, si vous ne le manifestez pas, si vous ne le recherchez pas dans votre vie, dans votre quotidien, ça montre que vous avez les désirs de la chair, que vous manifestez les œuvres de la chair. Une église qui ne cultive pas le fruit de l'esprit est livrée aux œuvres de la chair. Un peuple qui ne travaille pas au fruit de l'esprit est livré et est dans la chair. Tout se fera dans la chair. Jésus ne sera jamais glorifié. Jésus ne pourra rien faire s'il voit un peuple charnel, un peuple éloigné de lui, un peuple qui ne le connaît pas, un peuple que lui-même ne connaît pas. Oui, lisez-moi le verset. Galates chapitre 5, le verset 16 à 18. Je lis au nom de Jésus. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car comment la marcher selon l'esprit? Comment marcher selon l'esprit? Réponse. Pas le fruit de l'esprit. C'est pas le fruit de l'esprit que nous marchons selon l'esprit. Où est l'homme spirituel? C'est l'homme qui cultive le fruit de l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, l'homme spirituel et l'homme charnel sont deux hommes différents. La vie de l'homme spirituel et la vie de l'homme charnel, ces deux vies sont deux vies différentes, opposées. Ce qui veut dire que toi-même, tu as un homme spirituel, c'est-à-dire tu as un esprit en toi et tu as une chair en toi. Et c'est l'âme et le corps, la chair. Ton esprit est la partie spirituelle qui est dans ton corps. Ta chair est la partie charnel, la partie terrestre qui est dans ta vie. Alors, comme tu crois en Jésus et que tu as le Saint-Esprit, tu dois manifester la vie de l'Esprit. Parce que tu es esprit, Dieu est esprit. L'homme spirituel, l'homme qui vit continuellement la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit. Maintenant, continuez la lecture. Les deux sont opposés entre eux. Vous ne pouvez pas vivre une vie charnelle et espérer la manifestation du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vivre une vie religieuse, une vie formaliste, où tu deviens protocolaire, où tu deviens superficiel, où tu deviens extérieur, d'apparence,
Car lorsque vous basez votre vie sur la parole extérieure, uniquement sur ça, uniquement sur le superficiel, uniquement sur le protocole, l'esprit ne pourra pas vous utiliser. L'homme spirituel, il manifeste le fruit de l'esprit. Son apparence intérieure est transformée. Et vit la vie de l'esprit. Et son apparence extérieure reflète la vie intérieure de l'esprit. L'homme charnel s'appuie uniquement sur sa chair. Il s'appuie sur le superficiel. Il s'appuie sur le sensationnel. Et plusieurs dans l'église, comme ils ne sont pas spirituels, commencent par faire des sensations. Lorsque l'esprit est présent, que l'esprit ne les touche pas. Et qu'on ne voit pas le fruit de l'esprit. Ils cachent leur animosité, ils cachent leur querelle, ils cachent leur division, ils cachent leur haine, pas des sensations. Ça, c'est pas la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Ce que je veux, ces choses, c'est des signes extérieurs de la vie de l'esprit. Maintenant, si tu n'as pas la vie de l'esprit intérieur en toi, et que tu ne fais que comme ça, tu n'as pas la vie de l'esprit. Est-ce que vous me comprenez? Vous ne pouvez pas comprendre cet enseignement sans ce que je suis en train de vous dire. Tout devient sensationnel. Tout devient émotionnel. Lorsque l'esprit n'opère pas dans une vie, tout devient sensationnel, tout devient émotionnel, tout devient charnel. Tout devient protocolaire. Tout devient formalisme. Formalisme. Comme la théologie. Tout devient théologie. Tout devient philosophie. On ne vit pas Christ. On ne vit pas Jésus. On n'expérimente pas Jésus. On ne connaît pas Jésus. Jésus ne nous connaît pas. On vient à l'église. Danser. Pleurer. Rouler. Rien ne change. Pourquoi? Parce que vous ne vous confiez pas au Saint-Esprit. Vous ne vous confiez pas à Jésus. Mais vous vous confiez à votre chair. Ça doit changer. Bien aimé, ça doit changer. Le Seigneur ne reviendra pas ici pour vous parler du fruit de l'esprit. Si le Seigneur revient encore parler du fruit de l'esprit, ça montre que vous êtes en train de chasser l'esprit de Dieu dans l'église. Vous êtes en train de renvoyer Jésus. Vous êtes en train de dire Jésus, nous ne te voulons pas. Nous voulons travailler donc. Nous voulons marcher selon nos protocoles. Nous voulons marcher selon nos lois. Nous voulons marcher selon nos règles. Nous voulons marcher selon notre manière. Nos habitudes de marcher. Oh, l'homme spirituel, il marche selon l'esprit. L'homme spirituel, il marche selon l'esprit. L'homme spirituel, il obéit aux lois spirituelles. Bien aimé, si Jésus revient encore vous parler de ces choses élémentaires, ça montre que vous vous appelez chrétien, enfant de Dieu, mais vous n'êtes pas prêt pour le ciel. Vous n'êtes pas prêt pour le ciel. Si toujours, lorsque l'esprit de prophétie se manifeste dans l'église, il ne prend que de répétence, ça montre que vous n'êtes pas prêt et vous ne voulez pas être prêt et vous n'êtes pas admissible. Quoi que vous avez l'assurance de votre salut, à cause de la vie charnelle, à cause du formalisme, vous serez rejeté au portail du ciel. Bien aimé, tu as l'assurance du salut. Ou bien, tu as la solution sur lui, ou bien, ça ne suffit pas. Tu dois payer le prix. Tu dois travailler à ton salut par le fruit de l'esprit. Par la recherche du fruit de l'esprit. Malheureusement, aujourd'hui dans l'église, nous voyons les chrétiens manifester des choses qui ne sont même pas permises dans le monde. Le monde connaît les vertus. Vous avez beaucoup fui le monde, se sont réfugiés dans l'église et ont continué à faire des choses qu'ils faisaient dans le monde. Que le monde même n'admet pas. Parce que vous n'avez pas le fruit de l'esprit. Ça, personne n'ira au ciel.
Oui, vous êtes dépouillé. Vous êtes dépouillé, c'est bien. C'est une première étape. C'est un niveau, un petit niveau qui commence. Mais toute la vie chrétienne n'est pas sur le dépouillement. Parce que le dépouillement, c'est une étape fondamentale qui nous permet de quitter les cieux des ténèbres et venir dans les cieux de lumière. Maintenant, vous quittez les cieux des ténèbres pour venir à la lumière. Alors, êtes-vous encore dans les ténèbres? Si vous êtes toujours dans les ténèbres, vous serez limité au premier élément. Vous ne vivrez jamais la vie de l'esprit. Tant que tu ne vis pas le fruit de l'esprit, ta vie est dans les ténèbres. Tu t'es dépouillé du corps, mais tu as caché ta vraie nature. Tu as caché ta vraie nature dans l'intérieur. Comme les hommes sont chanel et juste selon la chair, quand il te voit bien habillé, il dit c'est bon, il est zélé, le frère zélé, la soeur zélé. Ça c'est sensationnel, ce que vous montrez devant les gens, devant les églises, devant les serviteurs de Dieu. Or ça c'est une première étape de vous dépouiller sérieusement. Et cela, lorsque vous vous dépouillez, le reste c'est de mêler la fille de l'esprit. C'est de mêler quoi là? Dis à ton frère, c'est de mêler la fille de l'esprit. C'est de mêler la fille de l'esprit. Tout doit être compris. La signe doctrine ne se base pas sur un seul niveau. Beaucoup passent cette mal compréhension de la signe doctrine. Ont caché leur vraie nature. Ont caché leur vraie nature. Pas de semblant apparence de sainteté. De sainteté. Et leur intérieur. Le homme intérieur est rempli de ténèbres, de haine, de jalousie, d'animosité, de sorcellerie, de rébellion, d'orgueil, d'endurcissement, de méchanceté, de magie. Quand tout ça se passe, la vie des hommes Chanel qui ont quitté le monde et qui ont dit simplement Jésus, Jésus, je te suis, mais qui ne sont pas prêts et qui ne veulent pas mener la vie de l'esprit. Fais pas mener la vie de l'esprit. Bien-aimé, est-ce que tu veux mener la vie de l'esprit? Veux-tu mener la vie de l'esprit? Veux-tu mener la vie de l'esprit? Alors, abandonne les œufs de la chair. Abandonne les œufs de la chair. Tant que toi, tu n'as jamais soif de la vie spirituelle. Tu penses, oui, étant déjà dépouillé, tu es déjà prêt et qu'il n'y a plus rien à faire. Tu te trompes. C'est maintenant que toi-même qui es dans cette illusion, tu iras en enfer. La vie chrétienne, c'est la croissance spirituelle. On n'est pas toujours bébé. On ne peut jamais être toujours bébé. Enfant. Et vous êtes même content quand le Seigneur vient toujours vous parler de repentance. Vous êtes enfant, vous ne voulez pas quitter l'étape primaire pour atteindre l'étape de la perfection. L'esprit de prophétie a beaucoup de choses à faire dans l'église. L'esprit prophétique dispensé par le Saint-Esprit a beaucoup d'expérience spirituelle à vivre avec vous. Malheureusement, par votre rejet de la vie spirituelle, par votre ignorance des choses de l'esprit, vous avez bloqué l'esprit de prophétie qui a parlé simplement de prépotence et potence, et vous ne changez pas et vous. C'est toujours à cette étape. Voulez-vous croire spirituellement? Voulez-vous monter spirituellement? Voulez-vous aller dans les hauteurs? Alors que cette vie routinière, ce formalisme, cette hypocrisie, cette duplicité, que cette vie d'orgueil, que ce zèle amer disparaît de vous. Disparaît de vous. Disparaît de vous. Et là, vous vivrez la vie de l'esprit. Sans ça, vous ne vivrez jamais la vie de l'esprit. Les missionnaires viendront. Ils viendront. Mais vous serez les mêmes. C'est malheureux que tu connais Jésus depuis longtemps. Mais que ta vie ne change jamais. Tu ne changes jamais. Tu es la même personne. Et quand on parle des choses spirituelles, tu tournes la tête et tu dis, tu n'as pas besoin. Non, que ces choses, non, on connaît déjà. Non, je connais, il y a tout. On connaît, il y a tout, non. Juste.
Moi-même, je vous dis, moi-même qui suis docteur de la Sainte Doctrine, je vous dis que les premiers éléments que vous avez reçus là, ce n'est pas ça toute la vie chrétienne. C'est un petit, c'est un escalier, c'est une petite étape. Vous êtes limité à ça et vous dites, la Sainte Doctrine. La Sainte Doctrine est plus que ça. La Sainte Doctrine est plusieurs éléments. Et c'est la croissance spirituelle. Voilà que vous êtes toujours au niveau de la repentance. Or, il y a quoi? Sanctification. Il y a beaucoup d'autres éléments. Ça montre que la crainte de Dieu n'est pas là. Oh, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la science. L'homme spirituel juge de tout. Il est lui-même jugé par personne. Cela veut dire que l'homme spirituel est irréprochable. L'homme spirituel est irrépréhensible. Quand on dit que tu es irrépréhensible, c'est parce que tu vis la vie de l'esprit en recherchant, en mettant en pratique le fruit de l'esprit. Tu veux voir Jésus. Tu vois Jésus. Adam commence à manifester son caractère. Le fruit de l'esprit. L'amour. La joie. La paix. Ainsi que la cité. Commence à rechercher dans l'humilité. Le Saint-Esprit de Dieu. Jésus vivra en toi. Et tu vivras la vie de l'esprit. Lorsque tu seras humble. Le Saint dit que plusieurs ne sont pas encore humbles. Le Saint me dit. Même maintenant que je parle, le Saint me dit que plusieurs ne veulent pas l'humilité. Plusieurs ne veulent pas même cette humilité. Avant de continuer, non, lisez d'abord le passage. Sans ça là, on va prêcher, hey, on va fatiguer nos corps, prêcher, et vous serez au même niveau, et vous serez au lait. Quoi que Jésus veut opérer avec vous, vous allez faire fuir la présence glorieuse. Galates chapitre 5, le verset 16 à 18, je lis au nom de Jésus. Je dis donc, marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, la vie de l'esprit. Ce n'est pas un discours. Ce n'est pas une théorie. La Sainte Doctrine que nous enseignons n'est pas une théorie. C'est la vie de l'esprit. La Sainte Doctrine là, c'est la vie spirituelle. La Sainte Doctrine, c'est la vie de l'esprit avec Jésus. La Sainte Doctrine n'est pas ce que vous dites. Sainte Doctrine. Si tu es de la Sainte Doctrine. Et que toi qui te tiens dans la Sainte Doctrine, tu es même capable de la communion avec Jésus et que tu es encore pire que celui que tu as quitté. C'est une once. Alléluia. Amen. Beaucoup se sont cachés. Oui. Avec l'apparence de prier, c'est bien une étape. Mais l'intérieur, la vie de l'esprit, la communion avec l'esprit, zéro. Il ne faut aucun effort. Je vous ai dit, pour être sauvé, pour avoir la solution du salut, il n'y a pas de violence. Il n'y a aucun prix à payer. Ou bien, tu crois en Jésus, tu obéis et tu es sauvé. Mais lorsque Mais pour conserver ton salut sur la terre, je vous ai dit qu'il faut payer un prix. Dans le monde spirituel, il faut payer un prix. Dans le monde spirituel, ce sont les violents qui s'emparent. Pour le salut, c'est la grâce. Il faut être sauvé par Jésus. C'est bien. C'est ça, le salut par la grâce. Il n'y a aucune violence à faire parce que Jésus est venu à la croix mourir pour nous. Mais pour étant donné que la vie de Christ est une vie spirituelle, pour surmonter la défi, pour être prêt, toujours, pour toujours affronter les défis spirituels de ta saison, tu dois être spirituel, un homme spirituel, un payer le prix, l'humilité est le prix à payer pour un homme spirituel, l'humilité est le prix à payer pour être un homme spirituel. Si tu n'es pas un homme spirituel, tu n'iras pas au ciel. La trompette va sonner, la chair ne pourra pas monter. À la trompette, même ta chair va tomber. Ou bien, qui ira au ciel? C'est ton esprit, non? Alors,
Travaille ton esprit, nourris ton esprit. C'est ton esprit qui montera au ciel. Ce n'est pas ta chair. C'est ton esprit qui montera au ciel. Ne nourris pas ta chair. Si tu nourris ta chair, ta chair va avoir de force et combattre l'esprit. La vie spirituelle, c'est une vie de défi, de combat. Pour être sauvé, il n'y a aucun combat. Parce que c'est Jésus qui a fait le combat à la croix. Mais pour demeurer dans le salut et ne pas le perdre. Et pour aussi garantir ton salut dans le spirituel. Parce que c'est ton esprit qui est sauvé. Pour garantir ton esprit, pour que le monde des ténèbres, pour que la chair n'ait aucun pouvoir sur toi, tu dois obligatoirement, impérativement, payer un prix dans le spirituel. Dans le spirituel, il y a un prix à payer. Un prix à payer, c'est le prix de l'humilité, le prix du rabaissement, le prix de l'entrée dans les eaux profondes. Les eaux profondes. Les eaux profondes, cherchez la face de Dieu. Jésus, parle-moi. Je veux vivre les expériences spirituelles en Jésus. Oui, continuez la lecture. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair, hein? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Un homme chalet là, voici ces fruits qu'il porte. Mais quand tu n'as pas marié, pas côté. Un homme chalet qui n'est pas un homme spirituel. Là. Voilà ce qu'il fait. S'il y a un dans tes œuvres, tu n'es pas encore totalement spirituel. Le Seigneur parle à l'église. Église, quittez l'état primaire. Mon église, quittez l'état primaire. Quittez cette étape du lait, des choses de la terre, de la chair. Quittez la terre. L'église est devenue comme un prisonnier qui veut être libéré, mais qui refuse. Et qui veut rester dans sa prison, veut rester dans ce lien, basé sur les raisonnements de la chair, basé sur des hauteurs. Le monde des ténèbres se réjouit des œuvres de la chair. Le monde spirituel de la lumière de Dieu se réjouit du fruit de l'esprit. Il y a maintenant une guerre. Ceux qui sont chanel sont déstabilisés. Ceux qui sont chanel ne sont pas dans la guerre spirituelle. Ils ne sont même pas considérés. Ceux qui sont spirituels ont le triomphe, le pouvoir dans le spirituel. Dans le spirituel. Dans le spirituel. Dans le spirituel, on doit perdre des choses, comme je l'ai dit, et gagner des choses. Ça se fait par l'humilité. Continue la lecture. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestées. Hein? Ce sont l'impudicité. L'impudicité. L'impureté. L'impureté. La dissolution. La dissolution. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. La magie. Les inimitiés. Quand je dis magie ici, c'est la sorcellerie. Quand vous arrivez ici, magie, dites que c'est sorcellerie. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Hein? Ce sont l'impudicité. L'impudicité. L'impureté. L'impureté. La dissolution. La dissolution. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La sorcellerie. La sorcellerie. Les inimitiés. Les inimitiés. Les querelles. Les querelles. Les jalousies. Les jalousies. Les animosités. Les animosités. Les disputes. Les disputes. Les divisions. Les divisions. Les sectes. Les sectes. L'envie. L'envie. L'ivrognerie. L'ivrognerie. Les excès de tâche. Les excès de tâche. Et les choses semblables. Tout ça, c'est les œuvres de la chair. C'est pourquoi je vous dis que l'ennemi a changé la chose. Et a créé en vous la distraction. La pure distraction. Voici ce qu'on appelle les œuvres de la chair. C'est ça les œuvres de la chair. Beaucoup, le Seigneur même a dit hier dans la parole prophétique. Quand j'ai fini de parler de sa part, il a aussi parlé en disant quoi? Qui ne regarde pas la face. Ce qui veut dire quoi? Lui regarde d'abord l'homme intérieur.
Ce qui veut dire que les deux êtres de notre vie, intérieur, extérieur, doivent être en Christ. Mais si nous attachons à l'extérieur, c'est que nous livrons uniquement à l'extérieur. Et nous oublions notre esprit, la culture spirituelle, notre développement spirituel. Nous sommes des hommes chaleurs. Voilà pourquoi, comme dans les églises, il n'y a pas la vie de l'esprit. Tu es dans la chair. Quand on dit les églises, là, ne pensez pas, ne pensez pas du toit. Commencez pas à dire, c'est eux. Hein? C'est eux. Le message est adressé à qui? À qui? Qui est devant moi ce soir? Est-ce que c'est eux? Voilà. C'est ça l'unité. La vie de l'esprit donne la crainte de Dieu. La crainte de Dieu pousse à la vie de l'esprit. L'amour, la crainte de Dieu, la sagesse, l'humilité, ça c'est la vie de l'esprit. Continue la lecture. Je vous le dis d'avance. Écoutez très bien, c'est pourquoi vous dites que les hommes chalets n'hériteront pas le royaume des cieux. Continue. Quiconque je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc ça montre que ces personnes n'ont pas le fruit de l'esprit. Ils n'ont pas le fruit de l'esprit. Ainsi, puisqu'ils n'ont pas le fruit de l'esprit, ils ne hériteront point le royaume de Dieu. Ça, c'est la vie. L'affection de la chair, l'animosité, le manque de pardon, la rébellion, l'orgueil, l'hypocrisie, tout ça, c'est la vie de la chair. Ça, c'est le béaba. Avec ça, là, personne n'ira au ciel. C'est dans la parole ou bien c'est vous-même qui venez de vivre. Mais dans quelle vie nous amène au ciel? Le 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Oui. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Gloire à Jésus, acclame Jésus. Encore. L'humilité, c'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. Et après ça, nous allons commencer l'enseignement de Dieu. Vivez les expériences spirituelles glorieuses en Jésus. C'est par là que vous vivrez les expériences spirituelles et glorieuses en Jésus. Connaître et vivre
Les expériences spirituelles glorieuses en Jésus. Sans l'humilité, vous ne pourrez pas vivre les expériences spirituelles en Jésus. Sans l'humilité, c'est impossible. Sans l'humilité, il est impossible de vivre la vie de l'Esprit en Jésus. Demandez, Seigneur Jésus, que la repentance sincère se manifeste. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'ai mis à l'écart. Je manifeste un zèle amer dans mon entourage. Le feu que tu m'as donné, c'est pour chasser les démons. Mais je l'utilise pour chasser mes propres frères. Pour combattre mes propres frères. Le feu qu'on m'a donné, comme tu m'as donné, c'est pour chasser les démons. Je l'utilise pour combattre, pour faire autre chose. La parole que tu m'as donnée, c'est la parole de réconciliation. J'utilise cette parole. Vous semez la division, les querelles dans les églises, les querelles entre les frères, même à la maison. Les querelles, plusieurs même se disent dans la sainte doctrine, elles sont en querelle avec les parents, elles sont ici, ce soir et maintenant. Plusieurs sont en querelle avec leurs parents, ils sont en querelle. Vas-y, dis que voilà la sainte doctrine, ils ne comprennent pas. Comment si tu ne manifestes pas l'amour là, comment tu pourras vivre la vie de l'esprit. Le Seigneur veut voir le cœur, c'est le cœur. C'est pas les genoux simplement, mais c'est le cœur qui fléchit genoux. C'est le cœur qui, l'homme intérieur, qui fléchit genoux. Il fléchit. Je dis Seigneur, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons quitter cette étape. Nous voulons quitter cette étape. Cette étape primaire. Nous voulons quitter Jésus. Seigneur, brise le vieil en nous. Brise le vieil, prie. Seigneur, prêcher toi-même, prêcher ton église, prêcher ton
ministère. Jésus doit être fini dans nos vies. Ton corps est le temple de Dieu. Ton esprit
doit recevoir le Saint-Esprit. Parce que désormais, tu ne seras plus un homme charnel. Tu seras un homme spirituel. Un homme spirituel. Capable de dominer ses émotions. Capable de faire la différence entre ses émotions et la pensée de Christ. Capable de mettre à côté les sensations et de développer les valeurs spirituelles, les réalités spirituelles. C'est ça l'homme spirituel. C'est ça la vie de l'esprit. C'est ça la vie de l'esprit. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas le formalisme. C'est pas le formalisme. Non, non, non. Ce n'est pas le formalisme. Prophétique et réveil. C'est un thème très riche. Très riche. Vous devez connaître les choses spirituelles. Ou bien, vous devez connaître les expériences, vivre, les connaître et les vivre. Connaître les expériences spirituelles. Les vivre dans la sainte doctrine. Hier, je vous avais donné quelques expériences, quelques-unes de mes expériences, des expériences d'autres frères, et aussi donné quelques visions spirituelles, ou songes, etc. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous expliquer ce qu'on appelle le prophétique de réveil. Dis à ton frère, le prophétique de réveil. Le prophétique de réveil. Le prophétique de réveil. Le prophétique de réveil. Hier, on avait parlé de sur quoi? La prédication d'hier, c'était sur quel thème? L'homme spirituel a déjà oublié. Mais c'est l'homme charnel qui oublie. L'homme spirituel n'oublie jamais. De quoi? De l'esprit pour des expériences spirituelles et glorieuses en Christ. Jésus-Christ.
la dissolution de l'esprit pour des expériences glorieuses en Jésus-Christ. Et quel est le sous-thème d'aujourd'hui? Connaître et expérimenter le prophétique du réveil. Vous laissez le frère seul parler. L'homme spirituel n'oublie pas. C'est l'homme chargé qui oublie. Il oublie vite parce qu'il est orgueilleux. Il est orgueilleux. Pour lui, il est là comme ça, il n'a qu'à finir, il va rentrer. Il va finir de bavarder, il va rentrer pour aller se distraire dans le monde. Ou pour aller parler des autres, critiquer les gens. Gloire à Jésus. Le prophétique du réveil. Qu'est-ce que le prophétique? Qu'est-ce que le prophétique? Quelqu'un pour me répondre. Qu'est-ce que le prophétique? Vous n'allez pas mettre la définition des bien-aimés. Mais vous allez suivre si je peux. Chacun donne son... Qu'est-ce que le prophétique? Papa. Quelqu'un donne... Qu'est-ce que le prophétique? Quand on dit prophétique, qu'est-ce que tu entends par là? Non, le prophétique, c'est quand le Nangbonimu. Le prophétique. Nangbonimu. Le prophétique, c'est quoi le prophétique? C'est une prédiction. Mm-hmm. Céleste. Pardon? C'est une relation qui vient de Dieu. Ok. Quelqu'un d'autre? Vous étiez là hier? Non. Pourquoi? Je peux vous expliquer ça. Ok. Ceux qui n'étaient pas là, ils suivent les choses du mercredi jusqu'aujourd'hui. Oui. C'est pas le prophétique. Et prophétie, c'est quoi? C'est la même chose. Le prophétique, c'est l'expression de la pensée de Dieu, bien du projet de Dieu. Okay. Oui. Les accomplissements prédits. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, papa. C'est... On peut avoir une prophétie qui vient des ténèbres et une prophétie qui vient du ciel de Dieu. Donc la prophétie, ça peut être des ténèbres et du céleste de Dieu. Donc, okay. On n'accepte pas tous les prophéties. D'accord. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Le prophétique. D'abord, il faut connaître. D'abord, quand on dit prophétie, là, on entend prophétie. Combien? C'est quoi une prophétie? C'est pas une prophétie. Une prophétie, c'est... Non, c'est pas ça. C'est la chose cachée qui est révélée. La chose cachée qui est redoublée. Par les mêmes personnes. Chacun peut... Soyez libre. Hein? Oui. C'est quoi une prophétie? C'est révéler la pensée de Dieu. C'est bon? Oui. Dis d'avance ce qui va arriver. Oui, quelqu'un d'autre. Vous êtes censé définir. Nous vivons ça. Ok, d'accord. Gloire à Jésus.
La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, qui vient pour enseigner, instruire l'homme de Dieu dans la justice, afin qu'il soit apte pour œuvre. Alléluia. Et nous savons très bien que, c'est-à-dire, Dieu est esprit. Il est la parole. Il est d'abord la pensée et il est la parole. Il est la pensée dans l'invisible et la parole pour manifester l'invisible dans le physique. Gloire à Jésus. La prophétie, comme vous l'avez tous dit, la prophétie, c'est un message divinement inspiré. La prophétie, c'est un message inspiré de Dieu. Oui. Nous ne pouvons pas définir la prophétie sans la prophétie. Qu'est-ce que la prophétie? La prophétie, c'est un message inspiré de Dieu. La prophétie, c'est une inspiration de Dieu. La prophétie, c'est une inspiration qui vient de Dieu. La prophétie, c'est un message divin. La prophétie, c'est la révélation de la pensée de Dieu. Alléluia. La prophétie, c'est la parole de Dieu. La prophétie, est-ce que vous notez avec moi? Vous allez noter, ceux qui notent vont aider l'écrivain au tableau. Qui a joué avec moi? C'est la parole de Dieu. Ok. La prophétie, c'est la parole de Dieu. La prophétie, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Allez après ton lacro. La prophétie, c'est soyez vraiment attentif à ce message. Mais non, tout dit. C'est pas un enseignement, mais c'est un enseignement qui va vous aider. Elle a pris bien. Et par là, vous allez expérimenter des choses glorieuses avec Jésus. Et tout le monde là, la prophétie, c'est un message. Et Dieu le a écrit. La prophétie, c'est un message inspiré de Dieu. La prophétie est. C'est ainsi dit le Seigneur. La prophétie, c'est la parole de Dieu. La prophétie, c'est la révélation de la pensée de Dieu. La prophétie, c'est des déclarations venant des déclarations spirituelles qui viennent du trône de Dieu. La prophétie est, c'est-à-dire, la prophétie est la manifestation. Ou bien, non, la prophétie est le dévoilement. La prophétie est le dévoilement. C'est-à-dire, des décrets divins. Cachés en Dieu. Destinés à la création. C'est bon? C'est ça la prophétie. La prophétie. C'est ça la prophétie. La prophétie est une volonté. C'est-à-dire, c'est une volonté de Dieu qui oriente ses enfants ou qui oriente les hommes à une destinée prophétique qui vient de d'entendre ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? La volonté de Dieu les hommes, tous ses enfants dans une destinée prophétique. Par la prophétie, je trace les plans de sa volonté de toutes les époques d'hier à aujourd'hui et d'aujourd'hui à après ou demain ou éternellement. Est-ce que vous notez? La prophétie est la dispensation
La prophétie est la dispensation du plan éternel de Dieu. La dispensation du plan éternel de Dieu dans les saisons de manifestation de sa volonté. Gloire à Jésus. Acclame Jésus. La prophétie révèle la pensée de Dieu du passé au présent et du présent au futur. La prophétie révèle une œuvre de Dieu dans le présent ou bien une œuvre de Dieu du passé, du présent et du futur. C'est ça la prophétie. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. C'est bon? La prophétie a plusieurs définitions. Donc, s'il y a prophétie, il y a une notion. Une notion qui explique, qui détaille tout ce qui est lié à la prophétie. Il y a une notion. S'il y a prophétie, il y a une notion qui regroupe ou qui exprime tout ce qui est lié à la prophétie du passé au présent, du présent au futur. Tout ce qui est lié à la prophétie, c'est la notion que nous appelons prophétique. Le prophétique est une matière. Le prophétique est une matière. Comme à l'école, on enseigne la mathématique. On enseigne la comptabilité. Et ce qui reste, etc. Le prophétique est aussi une matière. Une matière. Et nous savons tous que dans l'œuvre du Seigneur, il y a plusieurs domaines d'activité. Plusieurs domaines ou départements dans lesquels nous exerçons l'œuvre de Dieu. Gloire à Jésus. Le prophétique est ainsi l'activité de la prophétie. L'activité du prophète ou toute activité liée à la révélation et la manifestation du plan de Dieu et des décrets de Dieu dans toutes les saisons. Alléluia. C'est bon? Le prophétique, c'est une activité. Le prophétique, c'est une activité. C'est un exercice. Le prophétique est un domaine de définition dans lequel la prophétie se manifeste. Le prophétique est tout ce qui relie le divin à l'humain. Est-ce que vous me comprenez? Le prophétique est tout ce qui relie le divin à l'humain. Ou qui relie l'humain au divin. Le prophétique est tout ce qui établit par l'esprit un lien de communion entre le créateur et l'homme créé. Vous voyez que le prophétique est encore plus grand que la prophétie. Ou bien
Acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Alors, dans le prophétique, qui comprend la définition du prophétique? Personne? Qui personne? Vous ne comprenez pas? En Jean, on dit non. Qui a dit non? Qui a dit non dans l'assemblée? Pour que je l'explique encore. Qui a dit non? Hein? Oui? Vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Prophétie, c'est un message. Prophétie, c'est un message. Prophétique, c'est l'activité. Prophétique, c'est le domaine dans lequel le message est révélé. Prophétique, la prophétie est dans le prophétique. Mais le prophétique n'est pas déterminé par une prophétie. Une prophétie ne peut pas influencer tout droit le prophétique. Parce que quand on dit prophétique, c'est toute l'œuvre de Dieu qui est déterminée, mais qui révèle dans le temps, qui manifeste dans les saisons, dans les dispensations. Alors, prophétie, c'est un message qui est communiqué dans les dispensations. Mais le prophétique n'est pas un message plus, mais c'est un domaine. C'est un espace. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? C'est bon? C'est bon? C'est bon? On veut continuer? La prophétie. Je veux dire que la prophétie. Quel nom? Un chapitre du prophétique. C'est bon? C'est bon, là? C'est une SA ou bien une leçon dans le prophétique. Le prophétique, là, c'est tout ce que Dieu dispense. Toute activité qui est liée à ce que Dieu dispense depuis le ciel sur la terre et qui quittera le ciel et qui retournera vers lui. Mais la prophétie, c'est une partie dans le prophétique. Tout prophétique, n'est pas une prophétie. Mais toute prophétie qui vient de Dieu est dans le prophétique. Qui comprend? Acclame Jésus. Connaître et expérimenter le prophétique de l'éveil. C'est noté toutes les définitions sont notées. Les différences que j'ai faites, notez ça. Il a dit que tout prophétique n'est pas une. J'ai dit quoi? Mais tout prophétique n'est pas prophétie. Mais toute prophétie divine est dans le prophétique. Tout prophétique. Parce qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas directement prophéties comme ça, mais qui sont dans le prophétique. Mais qui sont dans le prophétique de Dieu? Donnez beaucoup de définitions prophétiques. Écrivez tout au tableau. Je vais publier le tableau. Tout prophétique n'est pas une prophétie. Alors, il n'est pas une. Tout prophétique n'est pas prophétie. Mais tout prophétie est dans le prophétique. Voilà. Mais une là, c'est pas bon. Parce que prophétique là, c'est une prophétie aussi. C'est bon? Acclamez Jésus.
Aidez-le, aidez-le à écrire les autres définitions du prophétique que j'ai donné. J'ai donné plein de définitions ici. J'ai donné, mais je ne vois pas ça au tableau. Donnez-lui le cahier. Quelqu'un qui a tout écrit. Gloire à Jésus. Alors, depuis l'éternité, juste, ça dit depuis l'éternité et depuis le commencement, Dieu a commencé par exercer le prophétique. Alléluia. Nous avons Adam, qui est un être spirituel. Dieu est esprit. L'homme est esprit. Alors le lien qui relie Dieu, alors qui relie l'homme à Dieu, à quel lien? Un lien spirituel. Ou bien? Alors, le premier homme est un homme, quel type d'homme? Un homme avant d'être introduit dans le jardin, avant de pécher. Il est un homme spirituel. Nous sommes en train d'entrer dans le domaine pour vous enseigner cela. Et le Seigneur va opérer avec ça. Son but, le but du prophétique, je vais dire sur sa main, il faut que je le dise avant de continuer. C'est d'instaurer le règne de Dieu. Le but du prophétique, c'est d'instaurer le règne de Dieu. D'établir sur terre la volonté de Dieu. Le but du prophétique, c'est de manifester le règne spirituel du Christ. Le but du prophétique dans l'église, c'est de glorifier Jésus. Le but du prophétique dans l'église, c'est d'agir, d'opérer des actes extraordinaires. Remettez-lui. Le but du prophétique, c'est de manifester dans l'église des expériences spirituelles et glorieuses avec les chrétiens. C'est bon? Le but du prophétique est de s'instaurer dans les cœurs la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur. Le prophétique, comme je l'ai dit, est une relation entre Dieu et l'homme. Une relation entre l'homme et Dieu. Alléluia. Amen. Et depuis le jardin d'Éden, l'homme spirituel, l'homme qui est créé dans Genèse 1, le verset 26 à 27, l'homme qui est à l'image de Dieu, qui est l'homme spirituel, a commencé par, c'est-à-dire a été doté de toutes les facultés divines, lui permettant d'agir comme Dieu, mais sur la terre. C'est bon? Vous me comprenez? Suivez et soyez concentrés. Alléluia. Il est écrit, Dieu habite au ciel et a donné la terre aux fils des hommes. Dieu a son règne dans le paradis, dans la Jérusalem céleste, dans l'éternel céleste, a établi sur terre le jardin d'Éden terrestre, qui est le spirituel sur la terre, le glorieux sur la terre. L'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance totale, à son image parfaite. Dieu est esprit, l'homme est esprit. Ou bien, alors, Dieu va doter à l'homme une capacité d'opérer dans le spirituel et d'exercer le surnaturel. Dieu habite dans le monde surnaturel et a créé un être spirituel qui vient du monde surnaturel et qui a été destiné d'habiter dans le monde terrestre, d'exercer sur la terre
la volonté de l'être suprême qui vit dans le monde surnaturel sur la terre. Ou bien, qui est l'homme, cet homme? C'est, qui est cet homme? Non, ce n'est pas d'abord, c'est nous, mais est-ce que j'ai dit nous dans l'explication? Adam, alléluia, c'est nous, hein, c'est nous. Mais c'est d'abord Adam, selon l'explication. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est nous selon la révélation. Mais selon la connaissance, c'est d'abord Adam. Donc Adam est un être esprit. Adam est un être esprit. Dieu est esprit. Alors, Dieu, je vous ai dit que c'est la pensée, c'est pas la pensée que Dieu lui conçoit, lui parle. Lui, il esprit, il fait tout dans la pensée, dans l'invisible. Il donne à l'homme la pensée invisible de Dieu. L'homme reçoit Dieu auprès de la pensée et l'homme reçoit aussi la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors, le premier homme, Adam, qui est esprit, avait été mis dans le jardin. Donc je l'ai dit, pour exercer les décrets de Dieu sur terre, pour exercer la volonté de Dieu sur la terre. Alors, nous avons compris qu'avant, c'est-à-dire pendant que l'homme était dans le jardin, Dieu se manifestait à l'homme et parlait à l'homme. Et l'homme, esprit, communiquait avec Dieu. Dieu parlait avec l'homme, l'homme entendait la voix de Dieu, l'homme voyait Dieu, l'homme sentait la voix de Dieu, l'homme touchait le divin, parce que l'homme, esprit, Dieu, esprit. Et tout se passait dans la pensée, dans l'invisible, dans le spirituel. Parce que Dieu esprit, l'homme esprit. Qui me comprend? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alors Adam entendait la voix de Dieu. Adam voyait Dieu. Adam sentait la présence de Dieu. Adam parlait. Ça veut dire qu'il parlait, il recevait le langage de Dieu qu'il parlait aux éléments de la création. Il touchait Dieu. Quand il touchait Dieu, c'est le spirituel. C'est la pensée. Adam avait une communion totale avec Dieu. Et ce n'était pas le prophétique. Ainsi, nous disons, qui est le... Ou bien je vous pose la question. Et nous avons Abraham, Élie, Esaïe, comment on appelle, Moïse, etc., etc., qui ont travaillé avec Dieu. Ou bien, mais qui est le premier prophète de Dieu sur la terre? Vous devez me répondre. Hein? La réponse est rapide parce que je viens de le dire dans mon explication. Qui est le premier prophète de la Bible? Adam. Alors c'est Adam qui a commencé par expérimenter pour la première fois le prophète. Est-ce que vous comprenez? Après Adam, c'est qui? Est-ce que vous lisez la Bible? C'est le qu'on a tué. Après Adam, c'est qui? Adam, c'est Caïn. Caïn. Le premier. Ève n'avait pas. Caïn, non. Abel, le fils de. On peut dire Abel. Abel. On dit quoi? Le sang. Adam. Le sang de Jésus fait quoi? Qui est plus fort que. Le sang d'Abel. Adam et Abel étaient, c'est-à-dire, le représentant de tous les prophètes d'Israël. Parce que Caïn représente, c'est-à-dire Caïn représente le fils de l'iniquité de la perdition. Caïn est le nom vieux de quoi?
Caïn a fait quoi? A livré son frère. Caïn tombe à la destruction. Et nous disons aussi dans la révélation que Judas, qui est un frère de Jésus, la chair a aussi fait quoi? Livrer Jésus son frère. Et c'est pourquoi le Seigneur disait, les fils de ma mère, quand vous lisez la prophétie dans Cantique des Cantiques et dans Psaume, il est dit, les fils de ma mère m'ont, c'est-à-dire m'ont raï, sont devenus mes propres ennemis. Je suis devenu un ennemi pour les fils de ma mère, pour les fils, pour mes propres frères. Cette prophétie parlait de Jésus. Alléluia. De Jésus-Christ. Qui a été haï par Judas et par tout Israël. Et il a été livré à un peuple étranger, les Romains ou la crucifixion. Alléluia. Amen. Donc, il y a Adam qui entendait la voix de Dieu, qui recevait la voix de Dieu. Mais l'Église dit que depuis que l'homme a péché, il a fait quoi? Il a pris. Il, répondez-moi, toc toc, il est pris, fait de la gloire de Dieu, séparé de Dieu, détaché de Dieu. Séparé de Dieu. Alors, est-ce qu'il peut communiquer encore avec Dieu comme avant? Est-ce qu'il peut travailler avec Dieu comme avant? Alléluia. Ainsi, nous allons commencer par voir. Dieu a commencé par tracer, commencé par réaliser un plan. Un plan pour que l'homme qui a perdu sa relation avec Dieu s'attache avec Dieu. À nouveau avec Dieu. C'est là les choses ont commencé. Nous avons Enoch. Nous avons Job. Nous avons nous avons aussi Noé. Que Dieu, l'homme était perdu, déconnecté de Dieu. Dieu a utilisé des hommes. Des hommes. Des hommes pour que les hommes exercent le prophétique. C'est-à-dire pour que les hommes l'entendent. Pour que les hommes voient sa manifestation. Pour que les hommes sentent sa présence. Pour que les hommes le touchent et viennent le représenter devant d'autres hommes. Afin de susciter la crainte parmi ces hommes pour relier ces hommes à Dieu, un qui était déjà détaché de lui à cause de leur faute et de leur transgression. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Dieu a toujours utilisé le prophétique dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il fait, c'est le prophétique qu'il utilise. Et nous devons aussi comprendre comment ça se il l'utilise. Comment il l'utilise. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Connaître et vivre les expériences spirituelles et glorieuses à Jésus-Christ. Expérimenter le prophétique de avant, tout le monde n'était pas en contact avec Dieu. Quoique après la désobéissance de Adam, Dieu envoyait des prophètes, des hommes, pour parler au peuple. Tout le peuple n'était pas un peuple prophétique. Tout le peuple n'avait pas l'esprit, le Saint-Esprit pour expérimenter le prophétique comme Dieu lui-même veut que chacun l'expérimente. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? C'est pourquoi avant, il y avait des Élie, Élisée, Esaïe, les Michée. Dans le peuple, il y avait des voix autorisées. Nous savons quel est le prophète qui a travaillé au type, qui est le type de Jésus. Il y a plusieurs prophètes qui sont le type de Jésus. Il y a moins quel prophète est venu avant Jésus. Jésus est le dernier prophète, c'est-à-dire le dernier messager de Dieu sur la terre. Qui est le premier messager? Parce que nous savons qu'il y a Noé, il y a Abraham, oui. Oui, Noé et Abraham ont travaillé. Et c'est avant même la loi. Ou bien, nous avons des prophètes comme Enoch, etc. qui ont œuvré de la part de Dieu avant la loi. Mais il y a deux grandes alliances. La première alliance qu'on appelle, qui est basée sur la loi, sur le sacerdoce, le Lévitique. La seconde alliance qui est basée
basé sur la grâce, le sacerdoce royal. Alors, si Jésus est le dernier prophète de Dieu sur la terre, qui a répandu un esprit sur la terre, qui est le premier? J'ai donné l'explication. Avec qui on compare Jésus lorsqu'il s'agit de parler des alliances? Moïse. Non, soyez béni. Joseph est un type de Jésus dans un autre contexte. Je parle de deux alliances. Jésus est le médiateur d'une alliance. Jésus est le médiateur. Est-ce que Jésus est le médiateur de la première alliance ou de la deuxième alliance? La deuxième? Mais en réalité, cette deuxième existait. Cette dernière alliance ou bien nouvelle alliance? Cette nouvelle alliance était en réalité la première parce qu'elle existait avant la loi et avant l'alliance du sacerdoce lévitique. Alors, si Jésus est le dernier prophète, le premier c'est qui? Moïse. Lisez-moi le livre de Jean 1, 17. Jean chapitre 1, le verset 17, je lis au nom de Jésus. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, dans l'Ancien Testament, il y avait des types de personnes qui exerçaient le prophétique. Parmi la foule, c'était peu de personnes qui étaient choisies. Par exemple, vous voyez ici, nous sommes rassemblés dans l'Ancien Testament. On choisit un seul. On choisit le frère Zab. C'est toi le seul prophète sur la terre. C'est toi le seul qui peut entendre Dieu, qui peut voir Dieu, écouter Dieu, sentir Dieu, toucher Dieu, parler avec Dieu sur la terre. Ça, c'est l'ancienne alliance. Est-ce cet homme qui était le seul était capable d'utiliser des signes, des prodiges, des manifestations, des actes qu'on appelle des actes prophétiques, des opérations. Tout ça qui pour prouver qu'il est prophète du nom de l'Éternel, venu de l'Éternel, pour exercer une œuvre de réconciliation entre les hommes et Dieu. Et d'abord, le prophète majeur de l'Ancien Testament est appelé Moïse. Et tous les autres prophètes ont parlé sur la loi de Moïse. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tous ceux qui prophétisent parlent de la doctrine de Jésus. La loi est venue par Moïse. La grâce, la vérité par Jésus. Gloire à Jésus. Alors le prophétique a mis toujours un moyen par lequel Dieu a toujours opéré avec les hommes. Dans le sacerdoce lévitique, tout le monde n'avait pas l'esprit des prophètes. Tout le monde n'avait pas l'esprit des prophètes. Tout le monde avait l'esprit. Ça ne pouvait pas opérer avec l'esprit de Dieu pour exercer le prophétique. C'est pourquoi l'ancienne alliance était limitée. Ne pouvait pas révéler tout de Dieu. Parce que Dieu n'est pas Dieu injuste. Pour choisir uniquement une seule personne, pour être toujours le seul prophète sur la terre. Esaïe était le seul prophète en son temps qui gouvernait tout. Et c'est lui qui coiffait toute la terre. Et Michée, Sophonie, eux tous, Élie, ils étaient des têtes des prophètes, des pères des prophètes, des chefs prophètes dans la Bible qui gouvernaient tout le peuple sur la terre. C'est comme ça que les choses se passaient. Des prophètes majeurs. C'était difficile pour Dieu. Quoi qu'il choisisse des hommes pour révéler son plan sur la terre, pas de signes, des prodiges, des actes, des appels à la repentance. C'était compliqué. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa volonté suprême, éternelle,
n'a pas voulu, c'est-à-dire n'a pas voulu, c'est-à-dire limiter sa puissance. Mais ça, son but, c'est de révéler sa puissance sur la terre. Avant, l'onction n'était pas dans tout le monde. Tout le monde n'était pas consacré. Avant, c'est lui l'onction qui était utilisée pour au moins des personnes spécifiques. Et ces personnes étaient, cette huile était composée de plusieurs choses. Huile d'olive, parfum, beaucoup de choses. Et c'est cette huile qui était le Saint-Esprit dans l'ancienne alliance. Donc si Dieu t'appelle à être roi, tout le monde ne peut pas être roi. Tout le monde ne peut pas être sacrificateur. Tout le monde ne peut pas être prophète. Il y a peut-être un seul roi, un seul sacrificateur ou souverain sacrificateur. Mais on voit, ça dépend des sacrificateurs sous son autorité. Un seul prophète, ou soit Dieu. En tout cas, les gens n'étaient pas, tout était limité. Mais dans la nouvelle alliance, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui est l'huile. C'est le Saint-Esprit qui est l'huile même. Alléluia. Avant, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'huile n'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'huile. Qui me comprend? Qui comprend? Acclame Jésus si tu comprends. Alors, avant, dans le prophétique, Dieu choisissait quelques personnes et travaillait avec. Et tout était limité. C'est difficile pour que tout le monde. Avant, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas journal. Il n'y avait pas la télévision. Il n'y avait rien. Donc ceux qui sont dans une autre partie de la terre, là, ils sont difficiles pour eux d'entendre. Quand Dieu était dans un corps, c'est-à-dire quand on dit dans un corps, là, ce n'est pas la, Jésus, la manifestation de Jésus. C'est-à-dire c'est l'esprit prophétique qui prenait des personnes particulières. Tout le monde n'était pas roi. Tout le monde n'était pas prophète. Tout le monde n'était pas sacrificateur. C'est les personnes chargées. Gloire à Jésus. Mais aujourd'hui, vous le comprenez. Aujourd'hui, nous sommes tous des rois. Tu es un roi. Tu as tout fait. Tu es un roi. Avant, nous n'étions pas des rois. Avant, tous ceux qui étaient dans l'ancienne alliance n'étaient pas tous des rois. C'est des personnes particulières. C'est comme si Dieu était injuste. Tous n'étaient pas prophètes. Tous n'étaient pas sacrificateurs. Aujourd'hui, le Seigneur fait de vous tous des prophètes. Il fait de nous tous des rois, des sacrificateurs et des prophètes. Quand on dit prophète là, ce n'est pas l'autorité, mais on parle de l'esprit qui nous anime. L'esprit qui t'anime, un esprit prophétique. Si à ton frère, l'esprit qui t'anime, un esprit prophétique. Avant, tout le monde ne peut pas être animé de cet esprit. Et ceux qui se rebellent face à l'onction royale sont déstabilisés. Comme Adonijah. Ceux qui se levaient pour poursuivre des gloires, être pour des prophètes, sans la paix de Dieu, étaient des faux prophètes. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ça se passe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, pas Jésus en qui nous croyons, lui qui est le roi des rois, lui qui est le souverain sacrificateur, lui qui est le prophète par excellence, en croyant Jésus, il te donne l'esprit. Ou il te donne une notion royale. Jésus te donne une notion royale. Il te donne une notion politique. Il te donne aussi une notion sacerdotale. Acclame Jésus-Christ. Dans le même Dieu de l'Ancien Testament, Dieu n'élevait pas un peuple prophétique. Non. Dieu n'élevait pas un peuple prophétique. Mais Dieu élevait des hommes comme des hommes prophétiques. Par un peuple charnel. Aujourd'hui, nous sommes un peuple prophétique que Dieu élève. Ce qui me dit que l'esprit que nous avons reçu est un esprit prophétique. Joël 2, verset 28. Le prophétique. Nous sommes en train de quitter
cette partie pour atteindre vraiment les profondeurs même. Et c'est là que nous allons expliquer ce, la volonté de Dieu dans, dans le réveil par le prophétique. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Joël chapitre 2, le verset 28, je lis au nom de Jésus. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Amen. Pendant que Joël le prophète parlait, tout le monde ne pouvait pas expérimenter le prophétique selon la foi. Pourquoi? L'ancienne alliance était établie comme une alliance dans laquelle Dieu choisit des hommes dans le peuple, uniquement dans le peuple, pour être ses fils. Je vous ai dit hier que ceux qui ont l'esprit avant-hier, que ceux qui ont l'esprit prophétique sont appelés fils. Alors, les Élie, citez leur nom. Les prophètes, les Déborah, les Jérémie, les Élisée, etc. Eux tous étaient les fils et les filles de Dieu. Je vous ai dit ça le premier dimanche, quand ils étaient venus. Ils sont les fils et les filles de Dieu. C'est eux qui sondaient les temps. Cela veut dire quoi? Si tu n'avais pas l'onction d'huile, par exemple, avant là, quand que Dieu est esprit là, c'était l'huile qui est le Saint-Esprit avant. C'est-à-dire, quand on met l'huile, on compose l'huile avec du parfum, avec des composants, etc. Et quand on met sur toi, c'est le Saint-Esprit que tu reçois ici. Et on les mettait à part. On les consacrait à part. Et c'est comme si Dieu était injuste. Pourquoi? Je l'ai dit non. Comment nous, on peut être ici et Dieu lui dit, c'est lui seul que j'aime. J'ai haï l'autre ou bien j'ai choisi lui seul. C'est lui seul, c'est avec toi que je vais travailler sur la terre. Tu es le seul avec qui je vais travailler sur la terre en cette saison. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore ça? Est-ce avec le passé seul que Dieu va traverser sur la terre? Est-ce avec le passé seul? Est-ce avec l'apôtre? Est-ce avec n'importe qui que Dieu? Est-ce avec papa seul que Dieu veut travailler? Ça, c'est le prophétique d'avant. Le prophétique d'avant. C'est pour ça que c'est du passé. Et je vous ai dit que avant, c'était les choses physiques, uniquement les choses physiques qui révélaient le prophétique d'avant. Pourquoi? Parce que le sacerdoce ancien était basé sur un culte de char. Un culte de char. Donc on utilisait les images terrestres pour révéler le prophétique. Il a fallu qu'on dise à Noé d'entrer dans une hache, d'amener, de fabriquer une hache, de prendre les hommes qui croiront en lui et qui seront sauvés du droit du déluge. En ce temps, tout était physique, uniquement physique. Aujourd'hui, dans le nouveau prophétique de l'esprit, dans la grâce, est-ce que nous voyons encore le prophétique comme ça forcément? Pourquoi? Parce que avant tout était physique, terrestre, imagé, symbolique. Aujourd'hui d'abord, tout est spirituel. Avant, les choses spirituelles étaient vues comme c'est-à-dire c'est le physique, c'est du physique que sortait le spirituel sur la terre. Or, le spirituel qui était le ciel se manifestait dans les objets. Des choses physiques. Mais aujourd'hui, il y a la grâce spirituelle employée pour des choses spirituelles. Le prophétique d'aujourd'hui est un prophétique qui sort du trône de Dieu, qui descend, qui coule, et qui n'atterrit pas sur la terre avec des choses physiques, terrestres, physiques, symboliques comme avant. Mais cette onction, cette dispensation prophétique se manifeste spirituellement avant de toucher les choses physiques, spirituellement.
tout est spirituel. Dans la nouvelle alliance, le culte est spirituel. Ce n'est pas lui qui est l'onction. C'est le Saint-Esprit qui est l'huile. Avant, c'est les choses qui sont immatérielles. Qui représente les choses spirituelles. Aujourd'hui, c'est l'esprit qui est la source. Et nous utilisons les images d'avant pour donner des symboles spirituels. On dit que Jésus est le pain de vie. On dit que la parole c'est le pain. Aujourd'hui, c'est le prophétique de la nouvelle alliance. La parole, comment la parole est le pain? Avant, c'est le pain physique vrai, vrai là, qui était comme la parole. Aujourd'hui, ce n'est pas le physique comme ça, mais le pain est spirituel. Nous voyons, c'est-à-dire, nous voyons la valeur spirituelle de la chose, pas son image. Aujourd'hui, l'âge n'est plus l'âge physique, mais l'âge. C'est l'assemblée des saints qui est en train de rassembler le monde au royaume des cieux. Avant, il y avait des filles. Avant, les trompettes qui ont tourné autour de Jéricho. Dans le prophétique de l'Ancien Testament, il y avait des prophètes physiques. Aujourd'hui, on lit quelles sont les trompettes. Spirituellement, est la manifestation des trompettes, mais dans une manière spirituelle, sans être physique. Tout a une portée spirituelle. Qui me comprend? C'est compliqué. Oui. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Et expérimenter le prophétique de réveil. Tiens, le frère, connaître et expérimenter le prophétique de réveil. Le Seigneur est en train d'élever ici des hommes prophétiques. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement les prophètes, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu qui sont appelés au ministère, qui sont capables d'exercer les choses spirituelles. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Jésus t'a donné le pouvoir d'exercer par l'onction royale, la capacité d'exercer par l'onction prophétique, la capacité d'exercer par l'onction sacerdotale. Tu ne dis même pas amen. Amen. Tu es ignorant des choses de l'esprit. Mais le Seigneur te donne la connaissance. Amen. Avant, c'était des personnes, trois personnes, roi, sacrificateur et on l'a choisi. C'est eux ceux qui doivent écouter Dieu. Ils iront au ciel, quand Dieu au ciel c'est un esprit, concevront de Dieu. Et utiliser des images, des objets, uniquement pour le prophétique, pour révéler la volonté de Dieu sur la terre. Et avec tout ça, les hommes étaient toujours éloignés de Dieu. Le prophétique de la nouvelle alliance n'est pas un peuple qui va consulter des prophètes, mais c'est des prophètes qui vont vers Dieu et qui viendront parler à un peuple de quitter. C'est-à-dire de quitter sa situation et d'aller vers Dieu. J'ai amené les hommes vers les prophètes dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, les prophètes amènent les hommes vers Dieu. Le Seigneur consulte en ce temps-là pour exercer le prophétique dans le réveil. Le prophétique de réveil. Le prophétique de réveil. C'est une des expériences spirituelles et glorieuses en Jésus-Christ. Acclame Jésus. Tu es un mandat royal. Tu es une notion royale. Tu es une notion sacerdotale. Une notion prophétique. Amen.
Tu as envie de savoir. Tout le monde n'était pas. Aujourd'hui, nous sommes tous les trois. Nous avons la triple onction. L'onction royale, l'onction sacerdotale et l'onction prophétique. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vous l'ai dit. Dans cette alliance, le physique était dominé plus que le spirituel. Quoique même que le spirituel était le moyen unique commun par lequel Dieu parle dans les deux dispensations. Vous savez, dans l'ancienne alliance, c'est le spirituel. La nouvelle alliance, c'est le spirituel. Seulement tout de l'ancienne alliance, l'unité physique gouverne le spirituel sur la terre. Parce que l'alliance était un culte terrestre. Aujourd'hui, c'est toujours le spirituel. Seulement tout les réalités spirituelles dominent les réalités physiques. Cela ne veut pas dire que dans la nouvelle alliance, tu ne peux pas utiliser une chose physique pour et matérialiser le prophétique. Ça peut arriver. Nous allons expliquer ça. Seulement, nous allons expliquer maintenant. Seulement que c'est le spirituel qui domine. Gloire à Jésus, encore Jésus. Qui est content? Qui est édifié ce soir? Qui est édifié ce soir? Le Seigneur compte sur toi. Tu es ce peuple prophétique. Qui verra la gloire de Dieu, et qui manifestera la gloire de Dieu. Alors, quelles sont les parties de l'homme qui font des mouvements, qui ont des besoins et qui exercent des sentiments, des pensées, des volontés, des sensations, des désirs dans l'homme, dans le corps? Non. Lève-toi, viens. Regarde celui-ci. Qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il le regarde? Entends. Parle. Dis gloire à Jésus. Qu'est-ce qu'il entend? Les oreilles. Dis Jésus. Jésus. Qu'est-ce qu'il parle? La bouche. Touche le pasteur. Qu'est-ce qu'il touche? La main. Sans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il sent? Ou bien sans l'odeur qui est ici. Voilà. Voilà les organes qui. C'est bien. Acclame Jésus. On les appelle comment? Qui peut me dire? Les cinq sens. Les sens, oui. Oh, y'en a bon à un peu plus. Oui, moi. Les cinq sens. Hein? Les cinq sens. Oui, les autres. La vue. Il y a. Le temps de vue. Mon papa. Oui. Ma pleine, nous, c'est. Ma pleine, nous, c'est. Le goût. Dans le prophétique. Écoutez-moi très bien. Dans le prophétique, tout ce que l'homme fait à travers son corps, dans le physique, il le fait dans le visible, dans le spirituel. L'Écriture dit que l'homme, qui peut connaître la pensée, les choses de l'homme, s'il n'a pas la pensée, l'esprit de l'homme. Ça, c'est la force de l'homme et les sensations de l'homme qui lui permet de faire des mouvements, des gestes, sentir des choses physiques, des choses naturelles. Les cinq sens de l'homme naturel lui permettent de déployer des énergies, d'agir dans le temps, dans le monde physique. Alors, est-ce que vous êtes un homme des hommes naturels en Jésus? Es-tu un homme naturel? Tu es quel type d'homme? Un homme spirituel. Alors, si Dieu vous a dit quoi? Que tout sort du Fils, tout vient du Spirit, Dieu avant de se manifester dans le Fils, tout quitte l'invisible pour entrer dans le Fils. Alors, si
ton être naturel non, a des yeux, ton être spirituel a des yeux. Si ton être naturel a des oreilles, ton être spirituel a des oreilles. Parce que le naturel est l'image spirituelle. C'est pas le spirituel que le naturel a existé. Ou bien, même tu as des pieds dans le spirituel, tu as des mains dans le spirituel, tu as une tête dans le spirituel. Autant que ton être extérieur est un homme naturel, tu es un homme spirituel. Tu dois arriver à cette évidence. L'homme devient spirituel lorsqu'il a l'évidence des choses de l'esprit. Lorsqu'il commence par réaliser qu'il n'est pas dans le Christ ou dans le Seigneur, un homme naturel. Le prophétique est la pensée de Dieu révélée au sang. C'est-à-dire, est une manifestation, une activité par laquelle Dieu utilise la prophétie ou Dieu utilise des signes, prodiges, pour révéler sa volonté. Une autre définition du prophétique. Le prophétique, par cela, est une activité spirituelle, surnaturelle, par laquelle Dieu utilise la prophétie, les signes, les prodiges, les expériences, des réalités pour agir dans le naturel, tout qui est le spirituel. Notez cela. Gloire à Jésus. Dieu le noté. Acclame Jésus. C'est bon qu'il y ait de comprendre le principe. C'est bon? Alors, si l'homme extérieur est guidé par son esprit humain, cet esprit, on peut dire que c'est l'âme. Alors l'esprit de l'homme, l'intelligence humaine, c'est l'âme qui le gouverne. L'esprit tant que tu as doit être gouverné par le Saint-Esprit. Donc quand on dit que l'homme est gouverné par l'esprit de l'homme, on parle d'abord de l'âme qui est l'humain dans le naturel. Et l'esprit, ton esprit est ton esprit. Ton esprit humain, c'est ton esprit. Mais d'abord, ton esprit n'est pas un esprit naturel, mais c'est un esprit surnaturel dans ton corps. Alléluia. Alors, autant tu les cinq organes de sens pour opérer dans le physique, autant Dieu, le divin, l'esprit de Dieu, utilise tes cinq organes de sens dans le spirituel pour agir et commander la volonté de Dieu dans le naturel. Qui comprend? Qui comprend? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? De la même manière, on veut de montrer l'image. Vous entendez quand on parle. Vous voyez quand vous voyez. Est-ce que vous entendez, vous touchez, vous faites, vous sentez. Tout ce que vous exprimez là, ça se passe dans le spirituel. Ce qui veut dire quoi? Dans le prophétique, Dieu, pour pouvoir manifester sa volonté, se révéla, se révélera à l'œil spirituel, à l'œil invisible de l'homme spirituel. Dans la poétique, Dieu parlera à l'oreille de l'être spirituel. Dans la poétique, Dieu parlera, Dieu agira dans les sentiments. L'homme sentira des choses en lui. C'est des choses spirituelles. Dans la poétique, tu goûteras en toi la présence du Saint-Esprit. Dans la poétique, tu parleras avec le Seigneur. Et Dieu te communiquera un langage spirituel que tu viendras communiquer aux hommes. Dans le prophétique, tu toucheras la gloire de Dieu. Dans le prophétique, tous les cinq sens opèrent spirituellement. Alors, est-ce que vous avez encore prié pour dire Seigneur, donne-moi des yeux spirituels. Seigneur, donne-moi l'oreille spirituelle. C'est encore utile. Pourquoi frère Azar? Selon la définition que je vais donner, pourquoi?
On ne vous attend pas. Mais parce que Dieu utilise l'esprit particulier du corps pour parler. Il utilise parce qu'il le donne maintenant, ou il l'utilise parce que l'homme est déjà doté de ça depuis la création. Depuis sa naissance. Qui est libre de répondre? Oui. Levez votre voix. Nous l'avons déjà. Nous avons créé. C'était mort quand nous étions dans le péché, dans le monde. Quand nous sommes venus à Jésus, il ne sait pas qu'il va nous donner des yeux spirituels. Je ne sais pas qu'il nous donnera des oreilles spirituelles. Mais il les ouvrira. Il ouvrira les yeux spirituels qui étaient fêlés. Il ouvrira l'oreille. Il fera quoi? Te fera sortir. Il te fera parler ou tu goûteras sa présence. Et si tu es là, tu toucheras. C'est bon, tu dis, parle de la part de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Dieu est là, il te parle. Ne tourne pas, ne tourne pas. Parce que Dieu est près de toi. Acclame Jésus. Alors, pour vivre les expériences spirituelles glorieuses à Jésus-Christ, par quel moyen Dieu vous fait dire ces choses? La définition du produit que vient de donner. Et à commencer par les données. Il peut, ça fait cinq manières. Il peut faire comment? Il peut nous faire voir des choses par les yeux de notre esprit. Il nous fait entendre des choses dans notre oreille spirituelle. Il nous fait goûter des choses. C'est pourquoi vous allez voir dans l'Ancien Testament, vous donnez des boulots aux hommes de manger. En réalité, comme je l'ai dit, le prophétique de l'Ancien Testament était fille. Aujourd'hui, le rouleau. Mange le rouleau, je vais voir. Mange le rouleau, mange. Est-ce que tu peux manger? Pourquoi? Parce que la dispensation a changé. Elle, c'est le rouleau, ceci qui est la parole. La parole est comment? Esprit. Donc, quand tu manges le rouleau là, est-ce que tu vas manger comme ça? Tu feras quoi? Ça, c'est le goût. Ça, c'est aussi le prophétique. Le prophétique n'est pas aussi la tendance à l'homme de prophétiser seulement. Mais le prophétique, c'est d'être enseigné par l'Esprit de Dieu. Le prophétique se vit d'abord soi-même. Le prophétique, c'est le commencement de la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la crainte de Dieu. Et ce qui ira, etc. Gloire à Jésus. C'est ça le prophétique en réalité. Donc le Seigneur vous appelle et vous communique cette dimension pour exercer sa volonté. Donc vous avez toutes les facultés spirituelles d'opérer à la dimension du Seigneur Jésus. D'écouter Dieu. Et ça se passe comment? Par la prière. Par la prière intense. Parce qu'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, ce n'est plus seulement les apôtres, les cinq ministères d'autorité. Ce n'est pas un seul d'écouter Dieu. Ce n'est pas un seul de voir Dieu. Ce n'est pas un seul de parler avec Dieu. Ce n'est pas un seul de faire les choses de l'esprit. Vous aussi, vous avez une capacité d'aller recevoir de Dieu, d'aller écouter Dieu, de recevoir l'esprit, la pensée de Dieu, d'agir au nom de Dieu, de vivre le spirituel en Jésus-Christ. Et c'est possible dans la scène d'autre. Acclame encore Jésus. Gloire à Jésus. Donc le prophétique aussi, la capacité spirituelle et l'activité selon laquelle Dieu utilise le sens spirituel pour agir. Et chaque sens joue son rôle. Gloire à Jésus. Ça c'est une partie. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui? Qui croyons en Jésus?
Dieu veut que dans le réveil, nous puissions être conduits par le Saint-Esprit. D'être à l'écoute du Saint-Esprit. De marcher selon l'Esprit. En quoi faisant? En laissant l'Esprit de Dieu agir, gouverner, orienter. Nous connaissons d'abord la définition même, ou bien le rôle de la prophétie même. La prophétie même qui est un message. Nous connaissons sa définition. Dans le livre de 1 Corinthiens, sa définition bien, c'est son rôle même. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Verset 3. 1 Corinthiens 14, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc la prophétie est une partie dans le prophétique. Par lequel Dieu fait quoi? Dieu édifie, exhorte, console et console. Gloire à Jésus. Donc Dieu fait quoi? Par la prophétie. La prophétie exhorte, édifie et console. Gloire à Jésus. Maintenant, nous allons voir. Faites la photo. Si vous n'avez pas encore touché cette partie, effacez. Et continuez pas. Alléluia. Nous allons voir. Voilà ceci. Allons-y dans Romains 12. Romains 12. Romains 12, voilà. Voilà le verset 6. Romains 12, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie, l'exerce selon l'analogie de la foi. L'exerce selon l'analogie de la foi. Et ici, le don de prophétie, quand on parle, ce don de prophétie, suivez-moi très bien. Ce don de prophétie là est en réalité la grâce du prophétique. Au travers de la vie d'un canal. Pour l'exhortation de l'église. Pour l'édification des saints. Et pour la consolation de l'église. Je reprends. Reprends la lecture. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui a le don de prophétie. L'exercice selon l'analogie de la foi. Quand on dit analogie de la foi, on parle de la conformité à la parole de Christ. La conformité à la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi nous disons que dans le prophétique, toutes sortes de diffusions, d'informations spirituelles, sous le Saint-Esprit. Car ce n'est pas le Saint-Esprit que nous sommes opérés par Dieu, opérés pour Dieu. Et comme avec moyen d'analogie, c'est-à-dire comme la base là, même si ça vient du Saint-Esprit, la base est la connaissance de Dieu ou l'enseignement. Ce qui veut dire que c'est l'enseignement que tu reçois qui est la base de ton prophétique. Si tu reçois un faux enseignement, tes choses, ta vie spirituelle, tout ce que l'Esprit fera avec toi là, sera limité, sera basé sur cet enseignement. Si tu reçois un faux enseignement, un enseignement qui n'est pas conforme à la sainte doctrine, ton prophétique, même si Dieu veut utiliser là, sera toujours imparfait. C'est pourquoi vous êtes. C'est une grâce pour vous d'être dans la sainte. Donc, ce que Dieu dira par vous sera d'une semence pure. C'est pourquoi il faut être enseigné.
Quoi que vous êtes appelé, vous devez être enseigné par le Saint-Esprit. Donc, nous disons que l'enseignement joue un grand rôle dans la réalisation du prophétique de Dieu. Tu peux avoir le don de prophétie, mais si tu n'as pas une base dans l'analogie de la foi, ton prophétique sera imparfait. Donc beaucoup ont la carence en enseignement. Cette carence n'est pas bon pour quelqu'un. Cette carence n'est pas bon pour l'église. C'est par là que beaucoup viennent avec des faux enseignements. Ils viennent avec un prophétique imparfait. Ils viennent avec des faux enseignements, des fausses doctrines. Et commencent à faire des charlatanismes dans l'église. Commencez pas à vendre de l'huile. Commencez pas à vendre du sel. Commencez pas à faire des choses abominables. Parce que leur prophétique est basé sur un faux enseignement. Donc, quoique le prophétique vient de Dieu là, l'enseignement est même la base du prophétique. Donc, la sainte doctrine, qu'est-ce que la Bible didactique Dieu de cette année? Dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Tu peux venir dire, Dieu a dit, j'ai vu. Si ce n'est pas conforme à la sainte doctrine, on sonde ça, on dit, on retient ce qui est bon, ça, c'est pas Dieu. Dieu dira toujours des choses qui sont conformes à sa parole. Des choses qui viennent du ciel. Des choses qui viennent de son trône. Il ne dira pas aux choses qui soient contraires à sa parole. Ou soit ça soit une révélation de sa pensée. Et ce sera dans les Écritures. Ou soit ça sera aura pour base la parole. Gloire à Jésus. Nous devons savoir que même si Dieu est souverain là, dans son message, vous devriez être performant dans la connaissance, dans l'enseignement, pour que vous puissiez discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Sinon, vous pouvez désorienter le message de Dieu. Dieu va vouloir révéler une vérité, mais pas dans ta carence. Tu diras une chose qui ne soit pas réelle. Cela ne veut pas dire que Dieu, cela ne veut pas dire forcément que c'est un démon qui parle. Mais toi-même là, tu es un esprit d'erreur. Lorsque Dieu veut parler, l'esprit d'erreur se manifeste. Et change l'atmosphère. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ça, c'est le prophétique. Le Seigneur a fait de grandes choses avec nous. Le Seigneur veut que vous puissiez entrer dans une dimension prophétique. Dans une dimension spirituelle. C'est-à-dire, vous devez sentir la voix de Dieu. Vous devez entendre Dieu. Vous devez chercher Dieu. Vous devez, dans une relation avec le Saint-Esprit, voir Dieu dans ses œuvres. Vous devez expérimenter des signes, des prodiges, des actes prophétiques, des réalisations spirituelles. C'est ces choses qui prouvent que vous avez le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Donc, le Seigneur, comme je l'ai dit, a des choses à faire avec vous. Donc, le prophétique là, dimanche, si le Seigneur peut permettre, on va expliquer ça avant la clôture. Il y a beaucoup de choses que vous devez connaître, mais qui seront expliquées demain et dimanche. Néanmoins, vous devez savoir que l'église doit entrer dans cette dimension. Lorsque le prophète intervient là, il y a des délivrances extraordinaires. Lorsque vous êtes, si le prophète n'est pas là, vous êtes dans la chair. Si le prophète est là, Dieu vous envoie dans les délivrances extraordinaires, dans les guérisons extraordinaires, dans les actes extraordinaires, des expériences extraordinaires.
le Seigneur fera des prodiges avec vous. Quand le prodige règne, le Saint-Esprit règne dans l'église. Et le Saint-Esprit est capable de dénoncer, d'exposer la magie dans l'église, la sorcellerie dans l'église. Donc le prophétie s'installe, le péché parfait. Parce que Dieu utilisera désormais les expériences spirituelles glorieuses dans votre assemblée pour dénoncer le mal, pour exposer l'iniquité. Et pour aussi faire quoi? Pour édifier, consoler et exhorter. Donc, ceux qui sont dans le politique là, c'est des gens qui écoutent Dieu. C'est des gens qui marchent dans Dieu. Mais tu ne vas pas dire, parce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Et on a dans la parole ce que Dieu te dit là. Ça n'a pas de sens. Toi, mais tu ne comprends pas. Dieu lui-même ne comprend pas ce que tu dis. Le discernement. La Bible dit quoi? Ne faites pas quoi? Non, je ne pas. Ne méprisez pas les prophéties, mais sondez-les et prenez ce qui est. C'est ce que le prophétique est. Donc, quand il y a le prophétique, le Seigneur se manifeste puissamment. Le Seigneur envoie dans son église le règne spirituel. Ses anges entourent l'église. Ses anges entourent l'église. Parce qu'il est le Dieu des esprits et des prophètes. Pendant que vous êtes en intimité avec Jésus, le Seigneur, dans le prophétique, fait vivre des choses incroyables. Vous pouvez faire un plan défini aujourd'hui et venir. Mais dans le prophétique, le Saint-Esprit vous change le programme. C'est ça qui amène l'église à le plus vivre, une vie charnelle, une vie monotone, une vie routinière, une vie fatigante, une vie formaliste. Parce que si le prophétique part, vous serez conduit par l'esprit. Et ce sera le vrai réveil. Ce sera le vrai réveil. Gloire à Jésus. Lisons le livre de Apocalypse. Apocalypse, voilà, Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10, je lis au nom de Jésus. Hein? Et bien. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont reçu le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Gloire à Jésus. Donc l'esprit de la prophétie est un esprit qui a une mission pour témoigner Jésus. Je l'ai dit. Et quand on lit dans Apocalypse 14, Apocalypse 14, dans le verset 6, lisez-moi. Apocalypse 14, verset 6, je dis au nom de Jésus. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Ça, c'est l'ange de la prophétie. Vous comprenez? Pendant qu'il y a des manifestations spirituelles, lorsque dans l'église, le Saint-Esprit commence à opérer, commence à agir, commence à créer une atmosphère. On appelle ça l'atmosphère prophétique. C'est comme un domaine, c'est-à-dire c'est comme une gloire. Quand vous voyez le tabernacle de Moïse, il y avait une nuée. Lorsque Moïse a fini de réaliser, le Seigneur a répondu aux prières, il y a eu une nuée de gloire qui était au lieu très saint. Ou bien, alléluia. Donc, c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est une atmosphère prophétique qui fait descendre le règne de Dieu, qui confond la sagesse de l'homme et qui donne la crainte suprême de Dieu. Oui? Je viens d'autre ange qui volait par le milieu du ciel, hein? Ayant un évangile éternel. Un évangile éternel. Un ange, hein, l'Apocalypse. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. Aux habitants de la terre. À toute nation. À toute nation. À toute tribu. À toute tribu. À toute langue et à tout peuple. Et à tout peuple. En réalité, le prophétique a voulu de révéler l'évangile éternel. Le dessein de Dieu caché depuis des temps anciens. A voulu de manifester dans le passé, depuis le passé, le présent, le futur, toute la l'horloge prophétique. Donc le prophétique révèle l'horloge prophétique. Le prophétique révèle la localisation prophétique
de chaque œuvre de Dieu dans le temps et dans l'espace. Lorsque vous êtes conduit par l'esprit, vous manifestez, vous opérez dans le prophétique. Mais lorsque vous sortez du ministère de l'esprit, vous entrez dans la chair, vous sortez du plan de Dieu, car c'est le prophétique qui révèle le plan de Dieu dans l'église et dans le monde. C'est pourquoi l'évangile des ténèbres est annoncé à toute tribu, à tout peuple, à toute nation, à toute langue. Le verset 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Le prophétique amène quoi? La crainte de Dieu. Craignez quoi? Craignez Dieu. Craignez Dieu. Et donnez-lui gloire. Donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel. Et la terre. Et la mer. Et les sources d'eau. Voilà le prophétique. Lorsque le prophétique vient, ça instaure la crainte de Dieu. Et ça instaure l'adoration à celui qui a fait le ciel et la terre. C'est ça l'esprit de Dieu qui opère. Donc on dit que le témoin de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc je vous ai dit, on a lu dans Acte, dans Joël 2008, que l'esprit descendra sur tout chair. Le jeu Jean aura des visions, des fils et des filles prophétiseront. Des vieillards auront des songes. Le Seigneur est prêt à faire cela dans vie. Il est prêt à faire cela dans ta vie. Il est prêt à partir d'aujourd'hui de commencer par exercer avec toi le prophétique. Tu expérimenteras le prophétique de ta vie. Parce que le prophétique te conduit à marcher dans le plan de Dieu. À marcher étape par étape. Le prophétique te donne la sagesse. C'est-à-dire l'esprit de sagesse te permet d'exercer dans le prophétique. L'esprit de conseil, d'intelligence, de force, de crainte de Dieu, de connaissance, de prophétie, te permet de vivre dans le prophétique, de connaître l'ordre de Dieu, le plan de Dieu pour l'église, le plan de Dieu pour les nations, d'utiliser tous les signes, de manifester les signes, les prodiges, les actions, tous les gestes qui viennent du ciel. Le prophétique est un miracle. Acclame Jésus. Le prophétique est un miracle. Dieu se manifeste. Les hommes tremblent. La terre tremble. La terre adore Dieu par le prophétique. L'univers entier voit la gloire de Dieu par le prophétique. Par ça, nous éviterons les païens à se réconcilier avec Jésus. Acclame Jésus. Ainsi, le Seigneur parle à l'église en ce temps de la fin. Que l'église entre dans sa dimension prophétique. Parce que le Seigneur a relâché des millions d'esprits. C'est-à-dire des esprits divins qui sont prêts à répondre à la prière des chrétiens. Dans ta vie de prière, tu amènes le divin à exercer dans ta vie le prophétique. Dans ton adoration, tu invites le divin à déverser vers toi les esprits célestes pour t'orienter dans la crainte de Dieu. Car l'âme de Dieu. Quand beaucoup de ceux qui le croient, le Seigneur est prêt à faire de grandes choses avec vous. C'est par cette connaissance qu'il commencera à travailler. Si vous ne connaissez pas cela, qu'il soit difficile pour l'esprit de le manifester en vous, de l'opérer en vous. Parce que l'esprit de la prophétie est présent dans l'église. Le Seigneur dit en ce temps d'affaire, j'ai libéré l'esprit de prophétie. Mais que tu dis dans le calice, les que tu dis, je viens. Voilà. Apocalypse 22, verset 6. Il y en a des qui à 9. Apocalypse chapitre 22, le verset 6 à 9. Écoutez très bien. Et il me dit, ces paroles sont certaines ces et véritables. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange. C'est les anges qui envoient pour le prophétique. C'est ça le signe d'esprit qui opère. Par des milliers d'esprits qui lui relâchent sur la terre. De la même manière, Satan relâche des démons. C'est de la même manière, par nos prières, Dieu relâche des esprits pour opérer des choses extraordinaires. Continue.
a envoyé son ange. A envoyé son ange. Pour montrer à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver les bientôt. Les choses qui doivent arriver. Et voici. Et voici. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. On n'adore pas les anges. On n'adore pas les esprits qui viennent. C'est le signe d'esprit que nous glorifions. Et c'est le Seigneur que nous adorons. Parce que c'est le Seigneur qui les envoie. C'est le Seigneur qui les envoie. C'est pourquoi nous craignons le Seigneur. C'est pourquoi lorsque Jean voulait s'ajouter, adore-tu, continue. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Vous me dites, hein, les anges de Dieu sont nos compagnons de service. Nos camarades, ils sont des esprits célestes, invisibles. Nous, on est des esprits célestes, invisibles, mais dans des corps visibles sur la terre. Nous sommes des compagnons. Nous sommes l'armée céleste. Nous sommes l'armée terrestre de Dieu. Continue. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Donc, qui sont les frères? Nous sommes des prophètes. Ces choses-là, nous sommes des prophètes. Pourquoi? Nous avons l'esprit de la prophétie. Cela veut dire que nous, Dieu, malgré ça, Dieu a établi sur nous des apôtres, des prophètes, évangélistes, etc. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas Dieu d'épée. Ne mettez pas votre foi en un prophète. Mettez votre foi en Jésus. Ne mettez pas votre foi en des actes prophétiques, en des choses prophétiques. Mais mettez votre foi en Jésus, qui donne la capacité d'opérer des actes prophétiques et des choses spirituelles prophétiques. Ne croyez pas, ne mettez pas votre foi dans les objets. Ne mettez pas votre foi sur des choses. Mettez votre foi en Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous donne la capacité, par le Saint-Esprit, d'exercer dans le prophétique. Le Seigneur dit à l'église du temps de la fin. Le Seigneur dit à cette église qu'un cri doit retentir en ce temps de la fin. L'esprit de prophétie a été relâché, je l'ai dit hier. Et c'est un cri que vous devez. C'est un cri. L'esprit crie. Et dit à vos peuples de se préparer pour le retour de Jésus. L'esprit a interpellé l'église à se repentir, à se préparer, à mettre de l'ordre en son sein, à vivre selon la sagesse, selon l'amour, selon la vérité, selon la justice, jusqu'à l'enlèvement, jusqu'au retour glorieux de Jésus. Cet ange est encore suspendu. Et au Père pour, en faveur de ceux qui prient Dieu, qui adorent Dieu, qui craignent Dieu. Cet esprit est relâché et invite l'église à se préparer. Dieu, en ce temps de la fin, utilise le prophétique pour inviter l'église à avoir une communion avec lui, pour que l'église s'apprête, se prépare pour le retour de Jésus. Voulez-vous être une église glorieuse? Dieu vous conduit dans le prophétique. Vous expérimentez la gloire de Dieu dans le prophétique. Parce que le prophétique active la gloire de Dieu. Active la crainte de Dieu. Active la présence de Dieu. Active la puissance de Dieu. Le Seigneur fera des grandes choses par le prophétique. Je déclare sur toi, au nom de Jésus, tu expérimentes le prophétique de réveil. Le Seigneur te donne un cri par le prophétique. Le Seigneur t'envoie dans le monde, vers les tribus, vers les nations, vers les peuples, dans les églises, pour aller sonner une trompette pour rassembler le monde, rassembler le peuple pour le ciel, rassembler les églises, rassembler les peuples, rassembler les nations pour le royaume des cieux. Le prophétique donne un cri. C'est ça qu'on appelle le cri prophétique. Lorsque Pierre a dit à juré à Jésus, vous pouvez te laisser, mais moi je ne vais pas te trahir. Jésus lui dit, ça ne fera pas toi, moi, que le coq chantera et tu me réuniras. Lorsque Pierre était mis à l'épreuve, Pierre a renié Jésus. Et trois fois, le coq a chanté. Bien aimé,
Église, le Seigneur te parle. Le Seigneur te donne aujourd'hui. Le cri du réveil est le son d'un coq qui interpelle l'Église à se préparer, à se repentir, à se lever de son orgueil, à entrer dans l'humiliation, dans l'humilité plutôt, et à grandir. De même manière que le coq a interpellé Pierre, le son prophétique, le prophétique dans ce temps est comme le cri du coq qui parle, qui rétentit, qui tourne, qui se manifeste et interpelle l'Église à la préparation, à la repentance, au perfectionnement de Jésus, à la sanctification pour la rencontre de Christ. Le prophétique aussi est semblable à une ambulance ou à une ambulance. Lorsque les malades qui sont les vierges forts s'affolent et commencent à se repentir, le prophétique court comme une ambulance pour aller consoler les malades, pour aller consoler ceux qui sont affligés, pour consoler ceux qui sont désespérés, à les réveiller, à les préparer pour le retour de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur libère dans cette église un grand prophétique qui s'aimera la crainte de Dieu, qui chassera le règne du péché, qui amènera ici la gloire du Saint-Esprit, qui mettra ici des millions d'anges, qui la met céleste en ce lieu et chasse la présence des ténèbres. Et dans ce lieu, le règne de Dieu. Je déclare cela aujourd'hui et cela arrive. Je déclare cette terre devient la terre de Dieu. Cette terre n'obéira pas aux ténèbres. Lorsque tu perds les chances, viendront chercher à semer des choses. La terre n'obéira pas. La terre devient un moyen prophétique par lequel Dieu renversera les ennemis de cette église. La terre devient moyen prophétique par lequel Dieu renversera ceux qui viendront semer l'ivraie. Je déclare qu'en ce lieu, ceux qui viendront se révéler contre Dieu, se révéler contre les prédicateurs, créer le désordre, seront humiliés publiquement par le Saint-Esprit. À moins qu'ils se répandent de la sas. Je déclare cela sur l'Église. Et ça arrive maintenant. Ça arrive maintenant. La crainte de Dieu et le sang de Dieu nous entoure et manifeste avec vous des expériences spirituelles glorieuses avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.